Salut les potos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de test et aujourd'hui on va tester un petit jeu sympa. J'ai reçu la clé gentiment par les développeurs pour que je puisse tester, donc c'est tout à fait normal que je fasse une petite vidéo pour la présenter. Ce jeu s'appelle Railroad et puis c'est un jeu de gestion de train en gros. Donc ça c'est inspiré d'un vrai métier. On va devoir tout simplement gérer les trains, les aiguillages, où est-ce qu'ils arrivent, où est-ce qu'ils vont, essayer de pas avoir trop de retard. Voilà voilà. Ben allons-y. Lançons-nous. Alors, j'avais commencé juste le tutoriel hors caméra. Donc là, c'est tout simplement la suite du tutoriel. Donc, hop, on va lancer. On a déjà un premier train qu'il va falloir que, hop, on lance. Donc, il est là, le train. On voit qu'il arrive là et il va devoir partir dans 5 secondes. Donc, hop, c'est bon, il va au dock. Hop, non, c'est pas bon. Qu'est-ce qui est pas bon? Alors, le train a avancé. Il ne veut pas se lancer là. Ah, d'accord. Je ne sais pas. Ah, attendez. Hop. Ça, je peux... Je peux retirer. Il est parti. Et c'est bon. Normalement, là, on est bon. Il devrait arriver dans les temps. Hop, on va en avoir un qui va bientôt arriver normalement, si je dis pas de bêtises. Ah, 33. On peut accélérer. Parce que lui, il a fini, il va repartir par là. Yes, voilà. On est là. Hop, celui-là, il part dans une minute, il doit aller... Attendez, hop, attends, normal. Bubny. Hop, donc Bubny, tchac. Tchac. Et normalement, c'est bon. Alors, je pense que si ça a posé problème, c'est parce que lui, il est en automatique. Donc on doit régler les feux. Donc, on règle les aiguillages. Vous voyez, hop, quand on clique dessus, ça se règle. Donc là, normalement, c'est bon. Et on a les feux. Ça, c'est les manuels. Hop, et ça, c'est les automatiques. Donc, on va attendre de voir dans 30 secondes si... Hop, on va accélérer. Non, ça marche toujours pas. Si je fais ça, ça va pas. Alors, qu'est-ce qu'il attend? Pourquoi mon signal veut pas se mettre en route? Ah! Voilà, c'était ça. J'avais oublié. Il faut qu'on indique quand même l'itinéraire. Et puis après, il est bon. Après, il se met en route si c'est bon. Bon, voilà. Hop, on va accélérer. Le prochain train arrive à 45. Alors, tous nos trains arrivent là. Hein. Voilà. Alors, à savoir que le train, il fait... Normalement, il faut qu'il fasse demi-tour. Du coup, j'ai mis en place un demi-tour automatique. Il y a le monsieur qui me parle. He offered me money, but I refused. I told him there's no way I'm giving it to him. But he did not look happy. D'accord. Alors, lui, maintenant, il doit aller là. Hop. Donc ça, c'est bon. Hop. Hop. Voilà. Cette fois j'ai pris le truc. En fait, les aiguillages comme ça, je les ai fait juste avant... à la fin du tuto. J'avais zappé qu'il fallait faire ça. Donc ça, c'est bon. Du coup, ouais, de base, il faut qu'on retourne le train nous-mêmes. Et puis, en fait, dans les recherches, j'ai débloqué pour qu'on puisse le... Pour qu'il se retourne automatiquement quand il doit se retourner. Donc, en gros, au fur et à mesure, on va pouvoir débloquer des nouvelles choses et pouvoir un peu plus automatiser, à pouvoir débloquer des nouvelles gares, ouvrir une nouvelle ligne, voilà, voilà. Hop. On va accélérer un peu. Voilà. On a du retard. Oh, j'ai trop parlé. Alors, nouveau train. Hop, il va au dock.
Hop. Hop. Ça, c'est bon. Et clac. Voilà. Comme ça, lui, c'est bon. Pendant ce temps-là, je voulais juste regarder. Qu'est-ce qu'on pourra essayer de faire après? Circuit perpétuel. Plus de gars. Ouais. Alors. Agrandir ou acheter jusqu'à un total de 7 gares, ouais. Bon, enfin, peut-être ça. Après. Attendez. On pourrait essayer d'avoir plus de contrats aussi. Donc, ça c'est les contrats actifs. Ça, c'est bien. Juifs. All service, les juifs. Ouais, on peut le faire ça. On va accepter et puis on va voir comment ça va faire. Donc ça nous fera d'autres trains. Hop. Ah oui, on en a un qui arrive là du coup. D'accord, il arrive, on voit une. Bon, et eh ben alors ici, lui, il va au docks, donc normalement ce sera bon. Et lui. Attendez, parce que lui, du coup, il part à 45. Non. Ah non, à 46, pardon. 45, c'est l'heure. Oui. Donc, il part à 46. Et lui aussi, il va devoir partir à 46. On va être embêté. Et il va à All Machin. Alors, on va déjà préparer ça. Alors, en fait, une fois que lui, il est parti, il faudra changer cet aiguillage-là, celui-là. Et puis mettre le feu vert. Hop, allez, parti. Allez, go, go, go. Changer ça déjà. Et hop. Et comme ça, celui-là va pouvoir partir. C'est bon. Alors celui-là, il reviendra à la voie 1 là. Lui, il repart. Donc ça, c'est bon. Normalement, on va laisser comme ça. Hop, attention, il y en a un nouveau qui arrive. Un, deux, Bumni, et après, il va à la voie 1, là. Donc, il doit partir dans 30 secondes. On va lui ouvrir le chemin. Hop. Quoi, ça? Ah, si, c'est bon. Alors, lui, se retourne automatiquement. Ça, c'est bien. Il part dans 20 secondes. On pourrait pas mettre un feu, une signalisation quelque part. Attendez. Un truc comme ça. Comme ça, on peut déjà le faire avancer jusque-là. Je vais le retourner. Ouais, comme ça. Ça. Ouais, hop. On va voir si ça marche, hein. J'ai aucune certitude que ça marche, mais. Ah, pas ça. Voilà. Ok. Alors, lui, il va arriver là. Hop, on peut déjà. C'est bon. C'est bien, voit une qui va. Et hop. Ah, ouais. Ok. Alors, lui, après, il doit aller à la voie une. It's all over the news. Ex-Minister Milos has just bought PRG Logistics, our main competitor in the freight market. He's looking to drive us out of business. I just know it. That's it. We can't stand for this. I'm sending my invention over to the R&D team. Nobody will intimidate us. Donc là, on va être embêté. Lui, il doit partir à quelle heure? Ah ben maintenant. Ah. Et lui, il doit. Allez à Bubny, donc il faut qu'on démarre celui-là. Wow. On va avoir un peu de retard, hein. On risque d'avoir du retard. Ah ouais, il y a un train qui veut venir. Hop. Ouais, en fait, c'est à Bubny qu'il faut qu'on ouvre
Attendez, non, c'est pas ça. Pas, je sais plus comment on fait pour acheter. Mince. Comment on fait pour acheter des nouveaux trucs? Je l'ai fait une fois dans leur tuto. Non. Je ne sais plus. On va revenir en arrière, on va s'occuper de notre train. C'est bon, lui c'est bon. Alors lui après, au docks. Ça ira. Hop. Ah, I've just got a message from the R&D team. Oui. They're saying the invention I sent over is some pretty advanced tech. To really dig into it, we need to get ourselves to tier 2 in the green category. Ah, d'accord. On va avoir de nouvelles choses. Well, we need to earn those experience points, of course. First things first. Let's keep the train yard bustling by accepting a few more contracts. Ah oui, donc this will help us reach that tier 2 experience threshold. What are you waiting for? Hop to it. OK. Donc faut qu'on fasse plus de contrats pour débloquer les choses ici. OK. Hop, on repart. Ouais, bah, il faut qu'il soit à l'heure. Hein. Alors, lui, c'est bon. Lui. Et voilà. Voilà. Et lui, il va à Tejvis 1. Donc. Hop. Donc, ça passe. Et hop, on met là. Tac. C'est parti. Normalement, tout le monde est content. Alors, lui, il ira. Obni. C'est une sacrée. sacrée destination, hein, le Obni, là. Hop. Voilà. Se calme. Ok. Viens là après. Hop. Ça, hein. Ouais. Voilà. Fait tourner. Ok. Oh bah j'ai un petit trou là, c'est. Hop. Au doc. Au doc. C'est bon. Allez, c'est parti. Allez, au suivant. Suivant. Suivant, il arrive à 33. Ou il doit partir à 33. Oh, c'est plus tranquille tout d'un coup. Alors, Obni, le Suisse. Hop, hop. Clac, clac. C'est bon. Direct. Oui, il va être à l'heure. Et après, hop. Oh, un. Comme ça. Alors, est-ce qu'on peut prendre d'autres contrats? Ça. Ah oui, c'est tout de suite, tout de suite. Oui, mais ça va pas le faire. Ah, il devrait pas arriver en voie 1. Je peux pas lui changer. Ah, voilà. Et ça va peut-être l'embêter. Est-ce que je peux changer? Attendez, sur un contrat.
Pas dire en voix 2. Ah. Ce serait bien. Ouais, sur mon moyen, mais. Ah oui, c'est. Non, c'est ça. Voilà. Ok. Réussi. Ouf! Voilà. Ça, il est content. Il envoie deux. Par contre, il est en retard. Alors, on va déjà préparer le truc. Hop. Allez, vite. Train passe. Hop. 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 Voilà. Ça, c'est bon. Hop. Allez, on a gagné encore des trucs. Des vis. Alors, des vis. Tox. Ça. Ça, c'est bon. Il doit aller à des juifs 1. Ouais. Ouais, il est direct. Train suivant. Il va à Bubny. Hop. Hop. Il y a un 9 là. Hop, une fois qu'il aura passé là. Voilà. Quel trajet effectif le plus long. Alors, prochain train, 3h01. Alors, lui, il doit retourner à juste 1. Bim, bim. On va accélérer. Hop. Alors, moi, j'aurais bien voulu ouvrir une nouvelle station. Bubny, c'est que des Bubny, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. L'impression que c'était que le contrat que j'ai signé, c'était juste un contrat une fois. Ça me plus long que prévu. J'aurais dû faire gaffe. J'ai pas trop fait gaffe. Bon, je ne comprends pas encore tout dans ce jeu. Il y a pas mal de choses à comprendre, mais par contre, c'est vachement complet. C'est intéressant, hein. C'est intéressant la gestion comme ça des trains. Du coup, par la suite, on va pouvoir automatiser un peu. Alors, du coup, on a 9 trucs là. Regardez. Oups. Mince. Quand on fait clic droit, ça revient en arrière. Du coup, ça, on peut pas, mais ça, on peut déjà. Alors, plus de gares, ça on avait dit, ça pourrait être bien. Alerte-train, je sais pas ce que ça fait. Alors, débloque la section alerte des trains dans la configuration de l'interface. Une alerte visuelle et sonore signaleront chaque fois qu'un train s'arrête ou est arrêté à un signal. D'accord. Ah. Quand c'est notification, quoi. Capteur relais. Alors, construit sur une voie, il contrôle un signal automatique. D'accord. Connexion. Ouais.
C'est bien, mais ce qu'il faut, c'est que les équipages changent tout seuls. Alors, ils servent à ajuster leur départ-arrivée. Tout changement affecte également tous les trains suivants de ce contrat. D'accord. Changement de quai permet de modifier les quais sur l'horaire des trains. Mais c'est ce que j'ai fait. Ah. Pourquoi faut débloquer un truc? J'ai réussi à le faire. Ouais, je comprends pas tout. Aperçu d'itinéraire dessiné en manuel. Ouais. Ouais, d'accord. Empêche de créer un itinéraire depuis un signal manuel selon un aiguille mal positionnée ou déjà occupée au tribunal. D'accord. Circuit perpétuel. Construit sur les signaux automatiques permet au signal de créer des circuits perpétuels. D'accord, c'est... Ouais. Oh, moi, je voulais débloquer ça. Hop. Alors maintenant, comment... Non, c'est pas ça que je veux. Je voulais acheter une nouvelle gare. Alors, je ne sais plus comment. Bâtiment. Non, ça c'est autre chose. Je ne sais plus comment on achète des gares. Ah voilà. D'ailleurs, qu'est-ce que je m'étais dit qui serait bien? Non. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait acheter comme gare? Acheter ici Mazarik Station. Hop. Et du coup, il faut qu'on fasse une connexion. Ah oui. Alors, vous voyez là, il y a comme des murs. Qu'en gros, ça veut dire qu'on peut pas passer là. Donc, en gros, si je veux faire connexion ici, je dois faire carrément ça quoi. Donc on peut. Hein, à la suite de Bubny. Mais du coup, ça serait pas mal que Bubny, on achète une autre voie. Hop. Voilà. Comme ça, on pourra avoir plusieurs trains éventuellement. Ok, on va tester ça. Voilà. On va tester ça. Maintenant, faut voir dans les contrats si on peut avoir quelque chose. Évidemment, j'ai rien pour le moment. Ça, c'est toujours le Holozovitz. Alors, faut que j'améliore mes voix ou que j'ajuste les horaires. Mais c'est vrai que, est-ce qu'on pourrait pas faire un... Attends, non, bah non, on peut pas. En fait, on peut pas parce qu'on a un truc là. À moins qu'on vienne carrément faire un truc. Peut pas passer par là. Non. J'essaye, hein. Non, je crois qu'on peut pas construire par là. Bon, bah tant pis. Je peux pas, bon, tant pis, voilà, tant pis. Voilà, il y a un truc là. Oups, non, non, c'est pas ça que je voulais faire. Pardon. À moi ça. Et... Je fais ça. Ça aussi, c'est un truc. Pot baba. Oh là là. Non mais je suis en train de complexifier le truc plus qu'autre chose. Hein.
Comment faire mieux? Bah, je peux pas beaucoup améliorer, hein. Oh, il fait ça. Alors, à moins qu'on fasse une double voie ici. Attendez, parce que mes trains en plus ils sont en train de fonctionner. Est-ce qu'on peut pas faire un truc? À la limite comme ça. Comme ça, les trains qui font ça, ils vont là et après ils repartent comme ça. Et moi, les trains. Ouais. Bon, ça veut dire qu'on a quand même une voie qui nous embête là. Ouais. Ouais, mais par contre, celle-là, en gros, elle serait à sens unique. On dirait toujours comme ça. Là, on dirait comme ça. Ouais, ça peut quand même nous aider. On va essayer. Du coup, on est en retard. Lui, il va à Bubny 2. On est d'accord. Donc, comme ça. Comme ça. Hein, hop. Hop. Ça, c'est bon. Mais il a modifié. C'est pas grave. Si. Alors, lui. All service. Ah bah du coup je suis bloqué dans l'autre sens parce qu'il arrive en. Ah mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Bon, c'est pas grave. Hein. Tu as modifié là. Ouais, ça veut dire qu'il va être bien en retard celui-là. Ah. Ça c'est bon. Ok. Mais ça me gêne, ouais. Oui, il va à Dejvis 1, mais pourquoi? Faut qu'il se retourne. Allez, bien. Hop. Voilà. Alors, lui, il va au Tox. Clac. Ouais, pareil. Oh là 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 là. En fait, je m'en mêle plus les pinceaux qu'autre chose. C'est technique ce jeu, c'est technique. C'est hyper intéressant. Je crois que. Enfin, que je passe du temps pour arriver à tout piger. Bon. On va terminer. Alors. Ouais, faut que je mette ça. On va terminer avec ça. Hop. Et on voit ce train-là. Je crois qu'on va se quitter. Ah, c'est pour ça que je vais faire. Voilà. Celui-là, il va. Ah, c'est fils 1. Hop. Bonne chat, l'avancée. Hop. Un peu bni. Normalement. Je vais l'envoyer comme ça. Voilà. Si, c'est quand même pas mal ce que j'ai fait. Mais dans certains cas. Et ben voilà, hop. Et comme ça, celui-là est allé direct. Et s'est rattrapé. Par contre, du coup, il se retourne plus. Bon, on a encore rien qui vient de là. Bref. Va falloir que je passe un peu de temps encore pour bien comprendre ce jeu. Bah du coup, j'espère que ce petit test vous aura plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, et puis activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!